Alors, ben, écoutez, merci beaucoup à tous de vous joindre à nous pour ce nouveau et dernier webinaire des conférences mémorables 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà nos conférenciers avec nous. Alors, je me présente, Noa Bengayet, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'animer, de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, Eli Lilly, la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Et lors de votre entrée dans le webinaire, vous avez donc tous été mis en sourdine pour éviter toute interférence avec le déroulement de la présentation. Et je tiens également à souligner aujourd'hui, bon, il y a eu un changement au niveau de la date et de l'horaire du webinaire, donc merci de vous rendre disponible. Et je tiens également à vous souligner aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative qui s'appelle Référence Aidance Québec. C'est une nouvelle plateforme en ligne. Donc, un outil qui a été en fait mis en place à la suite du plan d'action sur la politique nationale des personnes proches aidantes. C'est donc mis en place par le gouvernement du Québec en partenariat avec l'Appui pour les proches aidants. Et c'est un outil qui est destiné à référer les personnes proches aidantes dès l'évaluation cognitive et durant leur parcours avec la maladie d'Alzheimer, vers les services de la Société Alzheimer et la ligne d'écoute info aidant. Alors, c'est un outil qui est destiné aux professionnels de la santé, donc que ce soit des médecins omnipraticiens, des médecins spécialistes, infirmières, infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux, pharmaciens, ergothérapeutes, nommez-les tous. Donc, c'est un outil simple, facile, confidentiel également. Et puis, bah, c'est directement redirigé vers la ressource qui répondrait au mieux aux besoins de votre clientèle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le site référenceaidancequebec.ca. Ça a été lancé aujourd'hui. Alors, on attend vos références. Et sur ce petit aparté, donc je remercie beaucoup nos conférenciers d'aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir deux conférenciers pour notre dernier webinaire. Permettez-moi de les présenter en quelques mots. Tout d'abord, docteur Carole Hudon, qui a pris un stage postdoctoral à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal sur la caractérisation des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer. Et après avoir occupé un poste de chercheur au Centre de recherche Université Laval, Robert Giffard, qui est actuellement devenu le Centre de recherche cerveau. Docteur Hudon a été nommé en 2006 comme professeur adjoint sous octroi de l'École de psychologie grâce à une bourse de chercheur boursier au FRSQ. Et il devient ensuite professeur adjoint régulier en mai 2011 et professeur agrégé en juin 2011. Et depuis 2015, il occupe le poste de professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval. Alors, bienvenue à vous, docteur Hudon. Et Andréane Simard, qui est candidate au doctorat en psychologie, recherche et intervention à l'Université Laval dans la concentration neuropsychologie clinique. Sa thèse, sous la direction justement des professeurs Carole Hudon et Isabelle Dufour, porte sur l'expérience individuelle d'une intervention basée sur la pleine conscience chez les personnes âgées qui présentent un déclin cognitif. Elle s'intéresse plus largement aux sphères psychologiques, sociales et cognitives du vieillissement, aux méthodes de recherche innovantes et à l'amélioration des soins de santé auprès de sa clientèle. Alors, vous l'avez très bien compris, la thématique d'aujourd'hui, bah, s'adresse justement aux effets de la méditation pleine conscience auprès des personnes à risque de développer un trouble neurocognitif. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour les présentations. Merci aussi. Attendez, c'est. Vous voyez bien mon diaporama? C'est bien, OK. Donc, merci pour les présentations. Merci aussi à toutes les personnes qui sont présentes.
C'est apprécié, c'est un plaisir pour moi là, de faire cette conférence-là aujourd'hui. C'est toujours agréable, en fait, de mon côté, de communiquer ce qu'on fait en science au grand public, puis d'essayer de vulgariser ce qu'on fait dans un domaine qui est souvent très technique et tout. Voilà, je vais commencer. Aujourd'hui, en fait, je vais être avec... J'ai déjà parlé de la pleine conscience dans un webinaire il y a quelques années. J'en reparle aujourd'hui parce que nos travaux ont évolué, puis... En fait, j'ai demandé à mon étudiante Andréane Timard, qui a été présentée, de venir nous entretenir aussi sur les résultats qu'elle est en train d'analyser. Vous allez voir, elle s'intéresse... à l'expérience vécue par les gens dans une intervention de pleine conscience. Donc, moi, je vais m'occuper de l'intro générale sur l'approche, puis Andréane va poursuivre dans la seconde moitié pour ses résultats. Donc, j'attire juste l'attention, je fais une petite promotion. Vous avez ici là, une œuvre du programme Vincent et moi, qui est un programme de l'Institut où je suis basé en recherche. C'est un programme axé sur l'art pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Donc, j'ai mis ici une des œuvres produites par une personne qui est dans ce programme-là. Donc, commençons. Écran. Désolé. OK, je pense à changer. Andréane, tu confirmes que la diapo a changé? Je te veux aussi, je vois seulement toi. OK, c'est bon. Donc, juste pour mettre les choses un petit peu en contexte pour commencer. Le contexte des travaux sur la maladie d'Alzheimer puis le développement des connaissances, ça vient d'un phénomène qui est documenté depuis plus d'un siècle maintenant. En fait, c'est lié, entre autres, à l'augmentation de l'espérance de vie, parce qu'on sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du vieillissement. Le principal facteur de risque, c'est l'âge. C'est ça le principal facteur de risque. Donc, plus on vieillit, plus on est à risque d'avoir d'Alzheimer. Puis, je vous montre ici une illustration... je vais essayer de remettre mon pointeur laser. Donc, une illustration juste pour vous montrer à quel point on a fait des progrès à ce niveau-là. Vous avez ici une figure, j'ai deux traits pointillés orange ici, qui montre qu'en 1901, pour les hommes et les femmes, l'espérance de vie était entre 45 et 50 ans, donc 46-48 ans à peu près. Et vous voyez qu'à un siècle seulement, en 2001, on atteint les 80 ans. Donc, c'est un bon... phénoménal d'espérance de vie, c'est lié à toutes sortes de progrès en médecine, les antibiotiques, toutes sortes de choses. Je ne ferai pas le détail de tout ça, mais ça, c'est la première chose. Ce qui... Mon pointeur laser n'aime pas... Oh. Ça. Voilà. OK. Je n'utiliserai plus. Donc, le corollaire de ça, en fait, l'espérance de vie qui a augmenté comme ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre très important, une proportion importante de personnes de 65 ans et plus dans la société. En fait, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans de ça, pour la première fois dans l'histoire du pays, le nombre de personnes âgées a dépassé le nombre de personnes de moins de 14 ans au Canada. Et d'ici à peu près 2030, on estime que c'est le quart de la population qui va être âgée de 65 ans et plus. Donc, ça fait beaucoup de monde de 65 ans et plus. Et ce que ça a comme effet, c'est qu'on observe une augmentation des cas de troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer, parce que comme je l'ai rappelé tantôt, c'est le principal facteur de risque de la maladie. Juste ici, pour vous montrer, à quel point on réussit encore assez mal à faire un diagnostic précoce de la maladie. Je vous montre ici deux cerveaux. Si je me souviens bien, c'est deux femmes de 69 ans, si mon souvenir est bon encore une fois. Et vous avez à gauche un cerveau d'une femme qui a la maladie d'Alzheimer, puis un cerveau à droite d'une femme qui a qui n'a pas de maladie d'Alzheimer, qui a un vieillissement cognitif normal. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que dans le cerveau Alzheimer,
il y a beaucoup de trous dans le cerveau. Okay? Il manque beaucoup de ce qu'on appelle le cortex, donc de cellules. Et particulièrement, remarquez ici les deux trous noirs, ici à gauche, ici à droite, qu'on n'a pas ici dans le cerveau qui n'a pas de maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la structure dans le cerveau qui est la plus importante pour la mémoire. Et c'est parmi les premières structures à s'atrophier. Et donc, en fait, si je mets l'illustration ici pour juste montrer que le diagnostic de la maladie, il est tardif. Okay? Quand on réussit à faire le diagnostic, généralement, il est trop tard pour changer les choses. Vous voyez dans le cerveau de gauche ici, ça serait un peu illusoire de rétablir les cellules du cerveau comme c'est le cas dans le cerveau de droite. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller vers un diagnostic de plus en plus précoce, évidemment, mais aussi vers la prévention. Ça, c'est la prévention de la maladie est un domaine qui est de plus en plus important. Donc, je vous illustre ici rapidement. Vous avez une figure, j'aurais dû la traduire, je suis désolé, elle est en anglais. Une figure où vous voyez ici en bas sur la ligne horizontale, une représentation de l'âge. Donc, plus on va vers la droite, plus on avance en âge. Et la représentation ici sur la ligne verticale de nos capacités cognitives. Donc, plus on est haut, plus on a de meilleures capacités, meilleure mémoire, meilleure attention, etc. Et ce qu'on voit, c'est que quand on est jeune, bon, ça va bien, on est performant et tout. Puis en vieillissant tranquillement, bien, il va y avoir un déclin qui va s'installer et qui va être lent et graduel dans le vieillissement normal. Mais dans le vieillissement qui est anormal, comme celui de la maladie d'Alzheimer, le déclin va se faire beaucoup plus rapidement. Et avant d'atteindre ce qu'on nomme la phase de démence, donc le moment où on peut parler où le diagnostic se fait de maladie d'Alzheimer, en fait, avant cette période-là, il y a des phases qu'on appelle précliniques et des phases prodromiques, comme ici le trouble cognitif léger. Okay? Puis c'est ici, dans ces deux phases-là, qu'on essaie de faire le plus de prévention possible et qu'on essaie également la prévention, on essaie de la faire le plus tôt possible, puis on essaie de devancer le diagnostic aussi sur cette courbe-là. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que dans les phases précliniques, en fait, même avant le préclinique, chez les personnes de 50 ans et plus, un des facteurs de risque qui est parmi les plus importants, ce n'est pas le seul, je vais parler des autres tantôt, mais c'est la dépression. Pourquoi j'en parle? Parce que la pleine conscience, vous allez voir tantôt, c'est une façon, en fait, la pleine conscience a été développée d'abord au niveau médical aux États-Unis, dans une perspective de prévenir les rechutes de dépression, diminuer le stress des individus, etc. Donc, ça a été beaucoup utilisé dans un contexte de dépression. Et donc, c'est ce qui nous a amené dans le labo, en fait, à s'intéresser à cette approche-là en termes de prévention. Donc, la prévention, la façon qu'on peut s'y attaquer, c'est en ciblant les facteurs de risque qui sont modifiables à la maladie. Il y a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, comme par exemple l'âge. On ne peut pas modifier ça. Plus on vieillit, plus on va être à risque. On ne peut pas modifier notre vieillissement, notre âge. Par contre, il y a 12 facteurs de risque qui sont identifiés comme étant modifiables. Sur lesquels on peut intervenir et qui, mis ensemble, quand on considère leurs interactions, parce qu'il y a des interactions entre les facteurs de risque, mais quand on les considère tous ensemble, ces facteurs de risque-là expliqueraient environ 40 % des cas de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a un potentiel énorme ici de retarder la progression ou de éventuellement, on pense peut-être pas stopper la progression de la maladie, mais en tout cas au moins la ralentir de façon significative en s'attaquant à ces facteurs-là. Donc, vous voyez, il y a des facteurs comme le faible niveau de scolarité. C'est connu que les gens qui ont un très faible niveau d'éducation sont plus à risque d'Alzheimer. L'inactivité physique, surtout chez les personnes plus âgées.
C'est un facteur très important. Dépression, j'en ai parlé, le diabète, l'hypertension, l'obésité. Donc, vous voyez, tout ça, c'est interrelié, diabète, hypertension, obésité. Le tabagisme, les pertes auditives, c'est de plus en plus reconnu, puis surtout quand elles se manifestent au milieu de la vie. Les commotions cérébrales, la consommation abusive d'alcool, on parle ici de consommation de plus de 3 consommations par jour, donc plus de 21 consommations par semaine, l'isolement social et la pollution. Okay? Et la pleine conscience, je l'ai dit tantôt, va être intéressante pour cibler l'aspect trouble de l'humeur, dépression, mais vous allez voir avec les travaux de Dandrian, la pleine conscience pourrait également être intéressante pour briser l'isolement des personnages. Okay? Donc, je vais concentrer ma prochaine diapositive sur les traitements non médicamenteux. Okay? Vous savez, s'il y a des questions là-dessus tantôt, je pourrais y répondre, mais vous savez que les médicaments pour la maladie d'Alzheimer, en fait, jusqu'à cette année, ils n'étaient que symptomatiques. Donc, c'était pour soulager les symptômes. On a depuis cette année l'approbation aux États-Unis d'un nouveau médicament qui fait controverse, par contre, je n'entrerai pas dans les détails, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve que les médicaments ont encore un effet réellement tangible, mesurable et significatif sur l'évolution de la maladie. Donc, il y a différentes techniques qui, non pharmacologiques, c'est-à-dire non médicamenteuses, qui ont été développées pour les gens qui sont à risque d'Alzheimer. Et je vous parle ici de 6 approches qu'on a étudiées dans notre laboratoire au Centre Cerveau. Des approches qui, dans certains cas, vont avoir des effets sur la cognition, vont améliorer la mémoire et tout ça. Dans d'autres cas, vont améliorer l'humeur, l'état, la tendance dépressive, par exemple, ou le stress des personnes âgées, etc. Donc, on a fait, puis dans d'autres cas aussi, on a montré que les interventions dont je vais mentionner peuvent avoir des effets biologiques aussi. Donc, on a testé des méthodes d'entraînement cognitif où on enseigne des stratégies cognitives pour améliorer la mémoire. On a testé la psychothérapie chez les gens à risque. La psychoéducation, donc l'enseignement, le fait de fournir de l'information sur la maladie, etc., aux personnes à risque et aux proches aidants. L'exercice physique, la nutrition et la pleine conscience. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des 5 premières approches, je vais me concentrer sur la pleine conscience, qui est en fait l'intervention qui est la plus récente dans notre laboratoire. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un état, en fait, c'est la capacité à prêter attention, une attention qui va être la plus stable possible. Et qui va être en fait prêté à quelque chose, je vais y revenir plus concrètement tantôt, mais prêté à un objet sans jugement. Le but, ça va être d'essayer de maintenir cette attention-là sur l'objet qu'on a choisi le plus longtemps possible. Okay? Puis la pleine conscience peut référer à un état ou à un processus et même à un trait, c'est-à-dire une propension à vivre en pleine conscience. Donc, en fait, la méthode privilégiée pour enseigner la pleine conscience, ce n'est pas la seule, mais c'est la méditation. Okay? La méditation, puis là, ici, j'en parle de façon dénuée de tout sens religieux. Okay? Parce que la méditation de pleine conscience, telle qu'elle a été étudiée en science, elle a ses origines dans le bouddhisme. Okay? Par contre, la façon qu'on l'utilise dans le système médical, le système de santé, c'est dénué de toute connotation religieuse. On se concentre sur les processus, la pleine conscience, sur les attitudes. Puis je vais y revenir dans quelques instants. Donc, juste pour vous illustrer à quel point on n'est pas très souvent en état de pleine conscience dans la vie de tous les jours. Okay? Je vous illustre ici une scène d'un pique-nique, okay? Entre amis.
Vous avez dans l'image du centre la représentation, bon, probablement d'un couple ici qui est responsable de ramasser le pique-nique, les objets, etc. Bon, et tout. La personne ici, l'homme, il y a quatre façons dominantes où son esprit va se projeter. OK? En étant ici, en examinant la scène, il peut être dans le passé, c'est-à-dire se remémorer qu'il y a quelques minutes, il était avec des amis en bonne compagnie, puis on a eu du plaisir, c'était agréable, etc. Il peut être, l'esprit de cette personne-là peut être dans le futur aussi. Il peut se dire, bon, il faut qu'on ramasse, faut pas laisser la table à pique-nique comme ça, faut ramasser, etc., puis quitter ensuite. Okay? Fait que là, on est dans le futur. On peut être dans la mentalisation, c'est la partie en bas ici, c'est-à-dire que l'homme ici pourrait, par exemple, percevoir que sa conjointe ne semble pas dans un état d'esprit pour ramasser les détritus, etc., du pique-nique. Okay? Et finalement, on peut être dans un mode de navigation où on se représente notre environnement, puis on sait que, bon, la poubelle pour jeter les déchets est derrière nous, la voiture est à tel endroit dans l'espace, etc. Assez rarement, on va vivre le moment présent, tel qu'il se déroule présentement. En fait, notre esprit est même inconfortable dans le moment présent. Notre esprit, spontanément, va chercher à aller dans le passé, dans le futur, dans la mentalisation ou dans la navigation. Et cet état-là de ce qu'on appelle en guillemets des rêveries, c'est-à-dire des pensées vers le futur, vers le passé et tout ça, quand elles sont trop, quand elles prennent trop de place, quand elles sont très répétitives et tout ça, elles peuvent être associées à des désordres mentaux. Okay? Le fait de vivre, par exemple, on le sait, trop dans le futur, de trop anticiper ce qui pourrait arriver de néfaste et tout ça, va mener à des symptômes, par exemple, comme l'anxiété. Mais le fait de vivre plus dans le passé peut amener des ruminations, des sentiments de culpabilité par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, etc. Et tout. Okay. C'est correct, c'est tout le monde fait ça. Ce sur quoi il faut prêter attention, c'est qu'il faut éviter d'être trop dans le futur ou dans le passé, puis d'essayer de ramener l'esprit le plus souvent possible au moment présent. Et la façon qu'on entraîne ça en intervention, en fait, je vais vous l'illustrer ici par un cycle de méditation. Imaginez-vous qu'on vous demande de vous asseoir, vous fermer les yeux et de centrer votre attention sur votre respiration. Okay? Donc, les sensations que vous allez ressentir, par exemple, avec l'air frais qui rentre dans vos narines, le thorax, l'abdomen qui se gonfle, l'air chaud qui ressort des narines, etc. Donc, toutes les sensations perçues à ce moment-là, on prête attention à ça. C'est la seule chose qui est demandée. Par contre, ce qui va arriver, ça, c'est la première étape. Ici, l'attention soutenue, on met un focus sur quelque chose. Ici, j'ai parlé de la respiration. Mais ce qui va se passer, surtout quand on débute la méditation, la pratique de la méditation, c'est qu'en quelques secondes, on va perdre l'attention sur notre respiration. En quelques secondes, on va se mettre à penser à autre chose. On va rentrer en rêverie. On va penser, par exemple, à n'importe quoi, qu'est-ce que je mangerai bien ce soir pour souper, faut pas j'oublie d'aller chercher telle chose au magasin, etc. Donc, on va se mettre à penser à des choses comme ça. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est plus en train de centrer notre attention sur la respiration, on prend conscience de ça et sans jugement, sans effort, etc., on revient on déplace notre attention et on revient à l'attention portée sur notre respiration. Et ce cycle-là va se répéter tout le long d'une séance de méditation. Il va se répéter plusieurs fois parce que, comme je vous le dis, c'est très difficile de garder dans le moment présent son esprit. Même les méditants qui sont très experts vont perdre le focus, leur attention, eux aussi. Donc, je vous parle maintenant de projets qu'on a fait en pleine conscience dans le laboratoire.
je vais revenir sur les méditations qu'on enseigne, mais il y a quatre formes de méditation qu'on enseigne dans un programme qui dure 8 semaines. En fait, on fait 8 semaines de 2 heures, 2 heures et demie pour enseigner quatre formes de méditation qui sont là en rouge, je vais y revenir, mais aussi, de façon très importante, des attitudes liées à la pleine conscience. Et des attitudes comme le non-jugement. Par exemple, vous vous mettez à méditer puis vous vous rendez compte qu'à chaque 2-3 secondes, vous partez vers d'autres pensées. Il ne faut pas se dénigrer, il ne faut pas juger, etc. On laisse les choses aller, puis quand on se rend compte qu'on n'est pas sur le focus de notre méditation, sur notre objet de méditation, bien, on revient vers cet objet-là, tout simplement, sans jugement. La patience aussi, très important, surtout, Adrienne va peut-être y revenir tantôt, je ne sais pas si elle va en parler, mais il y a des participants qui nous disent que c'est trop long de méditer, comme on leur demande, 30 à 45 minutes par jour. On y reviendra tantôt. Garder un esprit du débutant, c'est-à-dire méditer toujours comme si c'était la première fois qu'on méditait. Des attitudes comme la confiance, le non-effort, l'acceptation, le non-attachement, etc. Toutes des valeurs, on pourra détailler ça tantôt là, si vous avez des questions comme ça, mais c'est toutes des valeurs et attitudes qui sont très importantes aussi dans l'enseignement de la pleine conscience. Et donc, ce qu'on demande à la personne qui vient dans nos projets, on les reçoit une journée semaine, 2 heures, 2 heures et demie à chaque fois, puis on fait des exercices de méditation et tout ça. Mais les 6 autres jours, on leur demande de pratiquer 30 à 45 minutes la méditation chez eux, en plus d'essayer d'appliquer des attitudes de pleine conscience dans leur vie quotidienne. Okay. Ça, le 30 à 45 minutes, Andréane y reviendra tantôt, comme je l'ai dit. Ça, c'est le format original d'un programme de pleine conscience tel qu'il a été importé aux États-Unis dans le système médical. Par contre, on se rend compte que chaque personne, tranquillement, on se rend compte que chaque personne a des pratiques préférées de pleine conscience. Moi, c'est mon cas. Moi, je l'avoue, j'enseigne ça, mais je ne fais pas 30 minutes de méditation formelle. Mais par contre, j'applique beaucoup de choses liées à la pleine conscience dans plein d'activités de la vie quotidienne. Par exemple, le fait de manger en pleine conscience, okay? De s'arrêter, puis prendre un lunch, puis de pendant qu'on mange, pendant 10 minutes, de porter attention à toutes les odeurs, les textures, les saveurs, etc. Juste ça, c'est excellent. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, les techniques qu'on enseigne, on a par exemple du balayage corporel, qui est probablement la technique qui est la moins appréciée par les participants. C'est une technique qui est souvent mal comprise ou qui amène, en fait, qui entraîne des sensations inconfortables. En fait, ce qui est demandé simplement à la personne, c'est de prendre une position confortable. Ça peut être assis, ça peut être couché comme sur l'image ici. Et de balayer mentalement toutes les parties de son corps, d'aller porter attention à toutes les sensations qu'on a dans chaque partie et tout. Et c'est là que ça peut réveiller certaines sensations inconfortables, certaines douleurs peut-être, ou etc. Donc ça, après ça, la technique la plus classique, la méditation assise. Donc on est assis sur un... On est assis confortablement et on va les yeux fermés, par exemple, méditer sur notre respiration. Mais ça peut être sur d'autres objets que la respiration. Ça peut être sur un objet qu'on choisit. Ça peut être sur les bruits ambiants. Ça peut être sur moi, ce que j'intègre, c'est la méditation par compassion, par exemple. Imaginer du bien au monde qui m'entoure, etc. Okay? Après ça, les mouvements conscients. Vous avez ici, je crois, c'est une image de ce qu'on appelle le Qigong, mais on retrouve les mêmes principes dans le Tai Chi, Yoga, etc. Donc, c'est le fait de produire des mouvements en pleine conscience, en étant conscient de la position de notre corps dans l'espace à chaque fois. Et en particulier dans le cas du Qigong ici, c'est un entraînement de coordination entre la respiration, les mouvements et la concentration se fait là-dessus, là, sur la coordination respiration-mouvement.
Et finalement, méditation marché, c'est, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est simplement, ça c'est une pratique que les moines bouddhistes font beaucoup. Ils vont marcher en groupe, en silence, puis porter attention à tout ce qui se passe durant la marche, aux sensations physiques, par exemple le sol sous les pieds, tout ça, mais ça peut être les sensations aussi auditives, ce qu'on entend dans l'environnement, ce qu'on voit, etc. OK. Et je vous pour terminer ma partie, je vais vous montrer quelques résultats qu'on a obtenus dans le laboratoire. Là, c'est un peu compliqué l'image ici, mais je vais essayer de résumer en fait de façon simplifiée. Ce qu'on a observé en fait, c'est je vais me concentrer sur la partie du haut ici. Ce qu'on a observé, c'est que autant dans une intervention de pleine conscience que dans une intervention de psychoéducation, on a réussi à diminuer les symptômes dépressifs, okay, des participants. Par contre, ce qui est particulier à la pleine conscience, c'est que cette modification-là passe par une diminution des ruminations, ce qui n'est pas le cas dans la psychoéducation. Donc, ça ici, ça nous fait dire que si on change l'état d'esprit, qu'on diminue les ruminations, etc., des personnes, bien, les effets probablement vont être plus durables que la psychoéducation. On ne l'a pas démontré encore, mais Andréane va venir tantôt vous montrer des résultats qui montrent en fait que les effets se maintiennent jusqu'à 3 mois post-intervention. Et je vous parlais tantôt que les interventions non médicamenteuses peuvent avoir des effets aussi sur la biologie. Je vous montre ici ce qu'on a, des résultats qu'on a obtenus dans le laboratoire sur l'hormone de stress. On a pris des échantillons de salive chez nos participants au lever, 30 minutes après le lever, en après-midi puis en soirée. Puis on voit ici que la sécrétion de l'hormone de stress au courant de la journée. Donc, la sécrétion, elle est généralement élevée en début de journée et va diminuer au fur et à mesure que la journée avance. Et ce qui est un indicateur de stress important, c'est l'augmentation du cortisol qu'on observe dans les 30 premières minutes après le réveil. OK? Donc, ici, avant d'avoir eu une intervention basée sur la pleine conscience en travers, nos participants, vous voyez, dans les 30 minutes qui suivaient le réveil, on observait une forte augmentation, alors que suite à l'intervention de pleine conscience, c'était stable. Ça partait élevé, mais c'est correct, ça part toujours élevé le niveau de cortisol au réveil, mais ça restait stable et après ça, ça diminuait comme c'était attendu. Donc, je vais conclure ici, faire une première synthèse préliminaire et ensuite passer la parole à Andréane. On observe des bénéfices à la pleine conscience chez nos participants à risque de développer la maladie d'Alzheimer, des bénéfices qui sont autant physiologiques. Je vous ai montré des résultats sur le cortisol, mais j'aurais pu vous montrer aussi des résultats sur l'inflammation, on en a. Je voulais juste pas aller trop dans les détails. Donc, des effets physiologiques, psychologiques également. Puis, il y a des raisons de penser avec les propos de certains participants puis avec certains modèles qui existent dans le monde scientifique. Il y a des raisons de penser aussi que la pleine conscience pourrait être très bénéfique pour le développement personnel des personnes âgées, pour favoriser leur autonomie au niveau relationnel, pour encourager les comportements prosociaux, donc les comportements positifs envers les membres de l'entourage, etc. Donc, voilà. Moi, j'arrêterai ici pour l'instant, mais Andréane va poursuivre avec ses résultats. Puis, Andréane, tu me fais signe quand tu veux que je change de diapo. Bonjour. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus du sujet là, de mon projet doctoral. D'abord, j'introduirai en vous expliquant un peu pourquoi c'est important de sonder les participants directement. Donc, pourquoi les rencontrer, par exemple, pour avoir leurs opinions, les questionner, puis qu'ils nous répondent en face à face lors d'une entrevue.
D'abord, c'est parce que ça améliore notre science. On a plein de super outils pour mesurer les effets. On va passer des questionnaires, on va prendre des prises de sang. Monsieur Don parlait de salive, on peut passer des scans, tout ça. C'est toutes des données qui sont précieuses, mais les entrevues, ça vient compléter notre compréhension de nos données. Et ça nous permet aussi de ne pas se limiter à nos idées à nous de chercheurs. Donc, lorsqu'on pense que la pleine conscience, ça va avoir un effet, par exemple, sur l'anxiété, on fait passer un questionnaire d'anxiété, puis on voit là, bon, s'il y a des choses qui changent à ce niveau-là, mais les entrevues peuvent faire de la place, là, les participants peuvent nous amener des effets ou des impressions dont on n'aurait pas... qu'on n'avait pas prévu au départ. Donc, ça nous permet vraiment d'élargir ce qu'on observe. Ça nous permet aussi de saisir l'expérience puis le sens de l'intervention pour les personnes qui la vivent, ce qui n'est pas toujours possible avec d'autres outils. Puis c'est important lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de prise de décision, les gens ont des choix à faire quant à leur santé, puis c'est important de comprendre c'est quoi leur expérience de ça, puis quel sens ils accordent là, à leur santé. Ensuite, ça nous permet aussi d'illustrer qu'est-ce qui est important pour nos participants, parce qu'on a bien beau faire des interventions extraordinaires avec des beaux effets, tout ça, si les gens ne les utilisent pas, si les gens ne les aiment pas, on revient au point zéro. Donc, ça nous permet de mieux se comprendre entre les patients, les participants à la recherche, les professionnels de la santé et les chercheurs. Donc, si on se comprend mieux, on améliore forcément l'expérience des soins de santé en général. On peut. Alors, les objectifs plus précis de mon projet de doctorat, c'est de comprendre comment le programme d'introduction à la pleine conscience, là, comme M. Hudon vous en a parlé un peu plus tôt, comment est-ce qu'il est vécu par les participants eux-mêmes? Et comme deuxième objectif, là, c'est de voir est-ce qu'il y a des traits ou des caractéristiques des participants qui influencent sur leur expérience. Ce petit bout-là est encore en analyse. Donc, je vais plus parler là, du premier point aujourd'hui. Alors, pour mon étude, j'ai rencontré 13 personnes qui étaient âgées entre 61 et 77 ans, qui percevaient toutes des difficultés de mémoire et qui présentaient des défis au niveau de l'humeur. Donc, on appelle ça des symptômes dépressifs, mais sans que ce soit là, assez sévère pour parler là, de troubles dépressifs. Donc, on avait des petits défis au niveau de l'humeur seulement. Donc, on les a invités à participer à une intervention basée sur la pleine conscience sur 8 semaines. Donc, une fois par semaine, ils se rencontraient. Et ils avaient des exercices à faire à la maison les autres jours de la semaine. On a fait remplir différentes mesures, donc des questionnaires avant l'intervention, après l'intervention et 3 mois plus tard. Et moi aussi, je les ai rencontrés là, directement après la fin du programme pour avoir un peu leur perception. Alors, ce que nos participants nous disent par rapport au programme. D'abord, je leur ai demandé pourquoi ils avaient un intérêt à participer. Pourquoi elle est venue nous voir? Bon, c'est sûr qu'on est un laboratoire qui travaille en prévention de la maladie d'Alzheimer, donc plusieurs avaient le souci d'abord et avant tout de contribuer à la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Donc, s'offrir un peu comme cobaye. Plusieurs aussi étaient sensibles à la cause parce qu'il y avait des proches là, qui ont souffert de troubles neurocognitifs, qui ont vu sur leurs parents, leurs amis en vivre, puis devenaient très intéressés à contribuer. Et plusieurs aussi avaient certaines inquiétudes par rapport à leur propre santé cognitive, puis souhaitaient essayer différentes interventions pour peut-être préserver leur propre mémoire. Ensuite, lorsqu'ils ont commencé le programme, ce qui caractérise, je pense, leurs premières impressions, c'est l'étonnement et la surprise. Donc, plusieurs se demandaient, c'était quoi le lien entre la pleine conscience et la mémoire? Donc, ils venaient dans un laboratoire de prévention de la maladie d'Alzheimer, puis on les faisait méditer et se concentrer sur leur respiration. Donc, beaucoup se questionnaient sur les raisons derrière ça. Aussi, la façon que le programme est conçu, il y en a qui ont été déstabilisés un peu par le style d'enseignement.
C'est un peu différent d'ateliers qu'on peut suivre dans la communauté, des ateliers d'information. Donc, ils ont été un peu déstabilisés. Mais plusieurs ont rapidement découvert, en fait, l'instant présent. C'est un concept qu'ils connaissaient généralement pas beaucoup. Puis, ils ont été très surpris, même certains, ça a été comme une révélation de ces enseignements-là, puis de mettre ça en pratique dans leur quotidien. Ensuite, je leur ai demandé, malgré les défis, malgré des fois les incompréhensions, pourquoi ils sont restés jusqu'à la fin du programme? Parce qu'on a quand même un bon taux de participants qui ont complété l'intervention avec nous. Donc, d'abord, ils ont beaucoup apprécié le groupe. Donc, ça, je vais vous en reparler, là, mais il y a des liens qui se sont tissés dans le groupe rapidement, puis il y avait beaucoup de plaisir à se voir à chaque semaine. Ensuite, plusieurs nous ont dit aussi qu'il y avait un sentiment d'être engagé, de dire, ben, moi, j'ai signé pour participer, bien qu'ils soient tout à fait libres de quitter si les projets de recherche, on tient personne en liste. Mais ils sentent qu'ils s'étaient engagés, puis pour eux, c'est important là, de compléter jusqu'à la fin. Puis aussi, c'était mon moment qu'à être là, j'aimerais me donner toutes les chances possibles de voir les effets s'il y en a. Donc, je vais tout faire là, comme on me le demande. Ce sur quoi les participants sont vraiment unanimes, donc, c'est que, comme je vous disais tantôt, il y a des liens très forts qui se sont tissés dans le groupe. Les gens ont trouvé qu'il y avait une belle ouverture, une belle confiance dans le groupe. Rapidement, même les personnes qui étaient plus timides, qui avaient des réserves au début sur une intervention de groupe, ils ont vraiment senti qu'il y avait leur place. Ils n'étaient pas obligés de parler alors que ça ne leur comptait pas, tout ça. Donc, vraiment une belle ouverture. Puis les gens partageaient aussi leurs expériences. Puis beaucoup m'ont dit qu'ils appréciaient entendre comment les autres vivaient le programme aussi au quotidien. Ensuite, je vous disais tantôt qu'ils ont été surpris, ont été déstabilisés par le programme, mais à la fin, ils étaient capables de me dire, bon, après coup, je comprends le chemin, je comprends où est-ce que ça nous amenait ce programme-là, même si au début, je n'étais vraiment pas sûre. Finalement, je vois la direction, donc c'est important de faire confiance au programme et comment il est organisé. Plusieurs aussi nous rapportent des bienfaits. Plusieurs comparent ça à une boîte à outils. Ils ont l'impression d'avoir plus d'outils, plus de façons de gérer les tracas du quotidien. Plusieurs ont trouvé dans leur quotidien des moments de pause, de recul, de calme, donc de profiter un peu de différents moments au quotidien. Puis certains aussi nous rapportent le sentiment d'être plus attentifs, soit quand ils font de la lecture, quand ils font des travaux manuels, des choses comme ça. Ils ont l'impression d'être plus présents à ce qu'ils font. En général, c'est un portrait qui est très, très positif là, de ce que les participants nous rapportent. Par contre, il y a quand même des petites nuances à apporter. On a quand même relevé certains effets indésirables. Donc, il y a des participants qui ont vécu des maux de tête, un peu d'étourdissement, de la fatigue. Parfois, quand on médite aussi, il peut y avoir des émotions inconfortables qui surviennent. Donc, c'est des choses qui arrivent. Généralement, c'est transitoire et c'est pas extrêmement grave, mais il faut en être conscient. Plusieurs nous disent aussi que le programme, il est difficile, dans le sens où apprendre à méditer, à rester concentré, rester immobile, c'est un défi. Il y en a qui peuvent vivre aussi de la douleur en lien avec les positions, donc on adapte le plus possible, mais c'est vrai que ça peut faire sentir un peu de douleur par moment. Ça demande beaucoup de temps, donc c'est 2h30 par semaine avec au moins 30 minutes d'exercice par jour, puis ça fait beaucoup de choses à intégrer dans un horaire. Souvent, nos participants ont un horaire assez chargé. Et tout ça demande là, quand même beaucoup de discipline et une bonne motivation là, pour intégrer tout ça. Puis, tantôt, M. Lange vous en parlait, là, c'est ça, il y a plusieurs participants qui ont adapté un peu la pratique qu'on leur demandait de faire. C'est sûr que dans un cadre de recherche, on voudrait toujours que tout le monde fasse exactement ce qui est demandé, mais on est tout à fait compréhensif et réaliste. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont écourté leur séance. Au lieu de faire 30 minutes d'affilée, ils ont fait 3 fois 10 minutes pendant la journée. Il y a des gens qui s'endormaient, donc ils ont essayé de le faire le matin, donc différents moments dans la journée, différents contextes aussi, où est-ce que c'était plus confortable, plus facile de pratiquer. Puis au fil des semaines aussi, ils ont la possibilité de choisir un peu leurs exercices préférés. Il y en a aussi qui sont allés chercher
des enregistrements sur YouTube complémentaires, tout ça. Donc, ils ont adapté leur pratique. Là, je t'ai parlé de ce que les participants m'ont dit en entrevue, mais sur les questionnaires qu'on leur a fait remplir, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diminution des symptômes dépressifs entre le début et la fin du programme, qui se maintient là, jusqu'à notre mesure 3 mois après l'intervention. Donc, c'est cohérent avec nos études précédentes, avec ce qui est dit dans la littérature scientifique. On a aussi remarqué une augmentation du trait de pleine conscience chez l'ensemble du groupe. Donc, ça montre qu'ils ont bien compris ce qui était enseigné, qu'ils l'appliquent au quotidien. Peu importe le point de départ. Donc, il y a des gens qui étaient très conscients en commençant l'intervention, déjà naturellement, puis il y en a qui l'étaient moins. Mais tout le monde a amélioré sa capacité à être en pleine conscience au quotidien. Et on a fait aussi une analyse pour voir s'il y avait des différences d'effet selon si la personne était en meilleure santé cognitive au départ ou un peu moins bonne. Puis on n'a pas remarqué de différence à ce stade-là. Donc, tout le monde en a bénéficié de façon relativement équivalente là-dessus. Toutefois, donc des beaux résultats, on est satisfaits, nos participants étaient généralement très, très satisfaits, très contents d'avoir participé. Par contre, on ne sait pas si c'est vraiment dû à la pleine conscience comme telle. Je vous explique. Donc, il y a plusieurs participants qui s'intéressent depuis longtemps au développement personnel, qui ont déjà fait des ateliers, qui ont déjà fait des thérapies, qui ont déjà lu sur plein de sujets. Donc, on a quand même une clientèle très intéressés au développement personnel en général. Dans le groupe aussi, c'est vécu un très fort sentiment de communauté. Les gens se sont sentis compris, ils ont senti qu'ils étaient avec des gens qui leur ressemblent. Je pense que ça les a beaucoup touchés. Donc, ils ont créé des liens. On parlait tantôt d'isolement social. Donc, ils se sont vraiment sentis bien entourés. Ils ont partagé un peu les défis du quotidien. Ils ont été très empathiques les uns envers les autres. Donc, ça, c'est quand même des points importants qui auraient pu expliquer, par exemple, la diminution des symptômes dépressifs. Puis ça, c'est une intervention qui leur a procuré beaucoup de plaisir et qui leur a mis plein d'apprentissage. Donc, est-ce que les effets qu'on remarque, c'est vraiment l'effet de la méditation ou c'est l'effet de tout ce cocktail d'expériences positives? C'est une question qu'on se pose. Donc, je terminerai avec une petite synthèse. Donc, je vous disais, les résultats sont encourageants. Donc, il y a des beaux effets sur l'humeur. C'est une intervention qui a été très appréciée. Les gens ont perçu des améliorations dans leur quotidien. Par contre, ça reste une approche qui est encore jeune, la pleine conscience, malgré sa grande popularité dans notre monde actuel. Ça se donne un petit peu partout dans différents milieux. L'intervention basée sur la pleine conscience, ça ne devrait pas remplacer un traitement reconnu pour les troubles du mal ou de la cognition. Donc, si c'est quelque chose qui vous concerne, c'est important de se référer à un professionnel de la santé qualifié pour voir les différentes options. Mais ça peut être un complément intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, il faut toujours garder en tête qu'il peut y avoir des effets indésirables, de rester sensible à ça, évidemment. Ensuite, mes recommandations. Donc, on vous a parlé de cette approche-là. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de l'essayer, mais c'est tout à fait correct, ça peut vous amener peut-être des choses positives et intéressantes. Donc, je vous recommanderais de débuter accompagné. Donc, on peut l'essayer tout seul. Il existe plein d'enregistrements qui guident les pratiques sur Internet. Vous pouvez l'essayer, mais les gens me disaient qu'ils avaient vraiment aimé de le faire en groupe, de le faire avec un instructeur. Donc, il y a différents professionnels, dont certains psychologues qui sont formés à l'approche. Il y a aussi des groupes de pratiques en communauté, donc où les gens vont méditer ensemble. Il y a aussi des programmes vraiment d'introduction, d'enseignement au concept de la pleine conscience qui se donne au public ou dans le milieu privé. Toujours rester vigilant aux effets indésirables. Ils sont habituellement mineurs et passagers, mais quand même, on ne voudrait pas que vous entreteniez des situations inconfortables. Et pour l'instant, on n'est pas capable de dire qu'est-ce qui est absolument essentiel ou pas. Je vous dirais...
faites la pratique qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Donc, adaptez-la aux besoins, mais essayez d'en faire un petit peu à tous les jours, puis éventuellement d'allonger les temps de méditation et tout. Voilà. Je crois que j'ai terminé. On est à nos remerciements de nos différents organismes subventionnaires. Merci beaucoup, Dr. Hédon et Andréane, pour cette excellente présentation très claire. J'ai beaucoup de questions pour moi. Effectivement, Dr. Hédon, vous aviez déjà présenté cette thématique au début des conférences mémorables, et puis là, vous revenez avec quelque chose de différent, donc très apprécié. Alors, tout d'abord, plusieurs questions. Est-ce que c'est la méditation pleine conscience, est-ce que c'est la même chose que le mindfulness? Oui, je peux répondre. Oui, c'est la même chose. En fait, en anglais, c'est mindfulness. Ouais. OK. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en post-méditation, le niveau de cortisol soit plus élevé au réveil? Qu'il soit en poste, ouais, ben ça c'est un élément qui est difficile à interpréter effectivement. Ça sur quoi les chercheurs se concentrent surtout, c'est l'augmentation dans les 30 premières minutes du taux de sécrétion de cortisol. Mais effectivement, c'est un bon point. Post-intervention, pourquoi au réveil c'est si élevé? Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle exactement, précisément. Par exemple, même si on insistait que dès les premiers instants du réveil, il fallait prendre un échantillon de salive, bien ça, dans certains cas, ça pouvait peut-être s'étendre, c'est-à-dire être fait après 10 minutes, etc. Donc, il y a des facteurs comme ça qui peuvent être confondants et sur lesquels on n'a pas de contrôle. En fait, je n'ai pas de réponse précise à la question qui est posée. Il faudrait refaire ces études-là, tenter de répliquer puis comprendre les mécanismes, etc. Là, mais je vais simplement répondre en disant qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas pu contrôler et qu'on n'a pas pu contrôler et qui rendent les interprétations plus difficiles. OK. Une question également, est-ce qu'il y aurait des données sur les bénéfices de la méditation pleine conscience parmi d'autres groupes de la population, notamment les enfants, les adolescents ou les autres personnes qui seraient touchées par d'autres maladies? Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait présentement chez les personnes avec un TDAH, autant chez les jeunes, adolescents qu'adultes. Il y a beaucoup de travaux en ce sens-là. Il y a beaucoup de travaux qui se font dans un contexte de cancer aussi. Linda Carlson à Calgary travaille beaucoup avec les cancéreux en pleine conscience. Évidemment, ça ne guérit pas le cancer, là. Je ne vais pas dire ça, mais ça aide les gens à vivre avec la maladie. Il y a toutes sortes d'autres maladies, les troubles anxieux, les désordres mentaux, les troubles obsessifs, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs maladies là, mentales ou physiques qui sont dans lesquelles la pleine conscience est étudiée. OK. Vous avez justement mentionné qu'un des résultats qui a été observé avec la méditation pleine conscience était la diminution des symptômes dépressifs. Mm-hmm. Est-ce qu'à la base, les personnes avaient justement ces symptômes-là, que ce soit anxiété, dépression ou d'autres symptômes qui finalement permettraient de dire ou de démontrer les bénéfices de la méditation pleine conscience? Oui, ben Andréane, tu pourras peut-être compléter si tu veux, mais on recrutait effectivement des personnes à risque, selon certains critères reconnus là, au niveau cognitif et tout, mais on voulait également des gens qui avaient, comme Andréane l'a nommé tantôt, des défis, entre guillemets, au niveau de l'humeur. C'est pas des gens qui vivaient une dépression, mais qui avaient des sentiments d'allure dépressive, des symptômes d'allure dépressive. Il y en avait un certain nombre. Pas suffisant, par contre, pour qu'on parle de dépression. D'accord. Aussi, je pourrais même compléter, on a parlé aussi de mon projet, mais quand même, dans les écrits scientifiques, là, la réduction des symptômes dépressifs, c'est un effet qui est bien soutenu. Par contre, la question actuelle qu'on se pose, c'est est-ce que cette approche-là, elle est
meilleure que d'autres approches qu'on connaît déjà pour réduire les symptômes dépressifs comme la psychothérapie, la médication, d'autres interventions qui sont admises, là, qui sont efficaces. Donc, soit équivalentes, mais on est en train de voir si ce n'est pas meilleur. Là. D'accord. Là, peut-être, la durée de l'étude n'était pas peut-être assez longue pour évaluer l'impact sur le trouble neurocognitif, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous également, évalué, d'être dans un programme de méditation pleine conscience permettait effectivement ralentir ou de réduire l'apparition des symptômes cognitifs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez observé au-delà de la diminution des symptômes dépressifs? Je peux répondre. En fait, on a des données jusqu'à 3 mois post-intervention. On n'a pas le financement présentement pour mesurer sur le très long terme les effets de la pleine conscience. Par contre, ce que je vais dire, c'est ce qui est reconnu, c'est que la pratique régulière et de longue date, c'est-à-dire le fait de pratiquer depuis longtemps la pleine conscience, ça, c'est démontré que ça a des effets sur le cerveau, sur le bien-être, etc. On a cité, Andréane et moi, à une conférence la semaine passée d'un chercheur belge, un neurologue belge, qui utilise la pleine conscience, entre autres, et il étudie le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui est un chercheur aussi, qui a un PhD aussi, mais qui pratique la pleine conscience et tout. Et en fait, ils estiment que son cerveau est à peu près l'équivalent d'une personne 15 ans plus jeune que lui. Okay? Donc, il y a plusieurs structures de son cerveau qui sont plus volumineuses. Son cerveau fonctionne différemment également. Et bon, c'est une figure de style, mais dans la présentation, le chercheur disait, on estime que c'est probablement la personne la plus heureuse sur Terre. C'est une figure de style, évidemment. Là. On ne peut pas confirmer ça et tout, mais c'est clairement quelqu'un qui vit en pleine plénitude, etc., puis qui a des effets biologiques démontrés. Et quand on parle de cette personne-là, je ne me souviens plus quel âge il a, Mathieu Ricard, mais il est dans la soixantaine avancée, je me souviens bien. Quand on parle de quelqu'un qui arrive sur le bord de 70 ans puis que son cerveau, on estime qu'il est dans la cinquantaine, c'est quand même majeur. Mais ces effets-là, par contre, mesurés... Ah, puis je peux te parler d'une autre étude aussi, une autre étude les chercheurs ont investigué l'effet d'une retraite de pleine conscience. Parce que les gens qui sont très experts de méditation vont faire des retraites de silence, par exemple. Et toutes les journées sont passées à la pleine conscience. Et suite à une retraite d'un mois, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis où on a montré, même plusieurs années après cette retraite-là, qu'il y avait des effets cognitifs qui persistaient, des bénéfices cognitifs, surtout au niveau de l'attention, en fait. OK. Au début de votre présentation, vous avez beaucoup insisté sur le non-jugement. Ouais. Concrètement, ça se manifeste comment? Je ne sais pas si tu veux compléter, Andréane, ce que tu as observé dans tes entrevues, puis tu as fait le programme aussi là, de ton côté. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé du fait de ne pas porter un jugement sur nos échecs quand on pratique la pleine conscience. Donc, c'est facile. Hein? Je l'ai dit, quand on choisit un objet de méditation, si c'est la respiration, ça prend quelques secondes avant qu'on se mette à penser à autre chose. Puis, facilement, on pourrait avoir tendance à se dénigrer et à se dire je suis dormi mauvais, je ne suis pas capable. Mais ça, il faut éviter. Il faut éviter absolument ce genre de réflexion-là. Et il faut appliquer cette attitude-là au plus de sphères possibles dans notre vie. Je ne sais pas si tu veux compléter, Andréane. Oui, mais c'est le non-jugement, il s'insère dans vraiment l'ensemble d'attitudes qu'on présente dans le programme, autant l'acceptation, la bienveillance, l'esprit du débutant, on en a parlé.
C'est qu'à la base, être en pleine conscience, c'est un état qui est neutre. Donc, on n'est ni dans l'appréciation, ni la dépréciation d'une expérience qu'on vit. Donc, on porte attention, par exemple, à notre respiration ou au bruit ambiant. Et c'est de ne pas apposer une étiquette sur ces expériences-là comme bonnes ou mauvaises. Donc, on fait juste les accueillir, les porter attention. Puis c'est que d'entraîner son cerveau à accueillir les expériences comme ça. Donc, ça vient un peu, là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça vient un peu déconstruire des fois des raccourcis que notre cerveau prend à dire « Ah, bien ça, c'est bon, ça, c'est désagréable, ça, j'aime pas ça. » Puis c'est que de faire ça, sans s'en rendre compte au quotidien, bien, ça mène à des ruminations, ça mène à des symptômes dépressifs, ça mène à différents phénomènes qu'on observe dans les troubles mentaux. Donc, d'entraîner son cerveau à ne pas apposer d'étiquette, ça améliore un peu notre salaire, du moins notre expérience au quotidien. OK, merci Adrienne. Merci. Trois autres questions. Donc, c'est Madame Giguère qui aimerait savoir où est-ce qu'elle pourrait suivre l'entraînement pleine conscience. Elle est diagnostiquée APOE3-4 avec une angiopathie amyloïde. Forcément, elle est ouverte à toute stratégie pour améliorer sa santé cognitive. Elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire et donc, effectivement, là, ça serait peut-être une opportunité pour elle. Peut-être que Madame Giguère, vous aimeriez entrer en contact avec Dr Hudon pour savoir si vous êtes dans la région de Québec, s'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Si vous vouliez commenter peut-être, Dr Hudon, par rapport à ça, si vous êtes encore en cours de recrutement ou pas. On pourrait relayer l'information également. Oui, ben, madame, effectivement, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas si vous avez mon courriel. En tout cas, ouais, vous pourrez, la fédération pourra le donner. Effectivement, en fait, Andréane l'a mentionné tantôt, c'est important quand on commence à pratiquer, à faire cette pratique-là, d'être au moins accompagné les premières semaines pour bien intégrer les pratiques, bien intégrer les valeurs, les attitudes, etc. Après ça, bon, on poursuit par soi-même selon la pratique qui nous convient, etc. Il y a des programmes qui existent dans le système public, mais c'est pas très développé encore. Ce qu'on voit surtout, c'est dans le milieu privé, dans les cliniques privées, en psychologie ou dans d'autres domaines. On va voir des ateliers de pleine conscience. Moi, si je suis capable de donner des références pour des ateliers à Québec, pour d'autres régions, je connais un peu moins, mais c'est possible de m'envoyer, par exemple, Mme Giguère, si elle m'envoie l'information, je peux vérifier si c'est fiable, etc. Justement, parce que c'est aussi une question d'une autre participante, d'avoir un site de référence pour exercer la pleine conscience. Donc, je pense que là, votre expertise dans le domaine serait appréciée par plusieurs. Oui, ben, en fait, ça, il faut faire attention. Hein, sur le web, on trouve de tout. On trouve absolument de tout. C'est pas toujours fiable. Mais si vous voulez, parce que j'ai vu une question aussi de quelqu'un, j'ai vu une question passer sur des ouvrages de référence et tout ça. C'est sûr, si on lit, par exemple, John Kabat-Zinn, qui a écrit un livre traduit en français, c'est un excellent point de départ. C'est pas mal le en fait, c'est lui qui a importé, qui a introduit la pratique dans le système médical américain. Une autre question également, dans votre projet de recherche, vous avez parlé effectivement de la différence avec les effets d'une pratique ou d'un accompagnement psychosocial. Est-ce que les participants suivaient en parallèle un traitement pour lequel ils auraient pu bénéficier?
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait avoir un groupe contrôle. Donc, une intervention pour laquelle on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des effets sur l'humeur, sur la cognition, etc. Donc, on a choisi la psychoéducation. Donc, c'était 8 cours de 2 heures sur les facteurs de risque, de maladie, comment préserver sa santé mentale, sa santé cognitive, etc. Mais finalement, on a observé des effets pour cette intervention-là aussi. On a observé une diminution des symptômes dépressifs, puis la façon qu'on le conçoit, qu'on l'interprète, c'est qu'on a donné un sentiment de compétence, on a donné un sentiment de contrôle aux participants, puis on a normalisé aussi certaines choses. Donc, tu sais, en vieillissant, tout le monde s'inquiète de sa mémoire. Sa mémoire décline et on s'inquiète tous, mais à un moment donné, il y a des déclins, tu sais, ce qu'on enseignait, c'était c'est où c'est normal, c'est où c'est anormal, puis juste ça, ça donnait un sentiment de compétence aux participants. Donc justement, quelle est la différence entre les exercices qui étaient effectués en groupe et ceux que les personnes devaient effectuer seules en dehors, donc durant la semaine? Et quel est l'impact de l'effet du groupe sur les bénéfices que vous observez? OK. Ça, je pense, Andréane, je te laisserai répondre. Ça rejoint un peu une partie de tes résultats, fait que je te laisserai répondre. Oui. La différence entre les pratiques en groupe et à la maison, comme tel, en groupe, là, c'est une pratique qui était guidée juste en live, là, mais en direct par l'instructrice qui est présente là, avec le groupe. Comme tel, ça ne diffère pas vraiment dans la nature. Si c'est un balayage corporel, c'est un balayage corporel standard, c'est juste qui était fait en direct. Puis à la maison, ça se faisait avec un enregistrement audio, donc quelqu'un qui guide l'exercice. Les gens préféraient le faire en direct, en général, c'est parce qu'ils se sentaient entourés, mais souvent, ils appréciaient beaucoup la voix de l'instructrice, de sentir un peu sa chaleur, tout ça. Donc, les gens préféraient le faire en groupe. Puis sinon, dans 2h30, il y avait des blocs d'exercice, mais il y avait aussi beaucoup de moments de discussion, de partage, d'enseignement des différents concepts, différents exercices, un peu pour s'approprier c'est quoi les attitudes, tout ça. Donc, le 2h30, c'était pas que de la pratique non plus. Il y avait une partie plus théorique, plus magistrale aussi. Puis par rapport à l'effet du groupe, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas encore tombée sur une étude qui avait réussi à isoler, dans le fond, là, parce que la pleine conscience, c'est une approche qui se donne en groupe presque toujours. Donc, ce serait comme dur de comparer une approche individuelle versus une approche en groupe pour essayer d'isoler un peu. On sait qu'il est là, par contre, l'effet du groupe. Ça, on l'a vu dans l'étude dont Carole parlait avec la psychoéducation. Donc, là aussi, ça s'est senti, l'effet de groupe, le sentiment de compétence et tout. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de séparer les deux. La pleine conscience, c'est vraiment une approche très expérientielle qui se base sur un apprentissage où on partage avec les autres, où on échange, où on apprend un peu comment les autres le vivent. Et ça fait vraiment partie de la démarche. Excellent. Justement, donc, Dr. Hudon, si vous êtes d'accord pour partager votre adresse courriel, je la mettrai en commentaire. Sinon, je l'enverrai également aux personnes intéressées. Aussi, une question par rapport à la disponibilité des diapositives, si c'est possible de les partager avec les participants. Ça, c'est aussi 2 questions. Je vois que vous hochez la tête, donc je prends ça comme un oui. Parfait, merci. Oui. Vous avez, Andréane, tu as mentionné que ceux qui étaient impliqués dans le groupe, ils avaient déjà cette connaissance ou cette sensibilisation à la méditation pleine conscience. Est-ce qu'on aurait les mêmes effets pour monsieur, madame, tout le monde qui justement aimerait commencer à faire de la méditation, quelle qu'elle soit la forme, où il faut quand même avoir une certaine aisance ou une certaine ouverture pour que ça réussisse, tout simplement. Oui,
Mais c'est vraiment une bonne question. Je n'ai pas de réponse ferme là-dessus. En fait, nous, on a recruté en vérifiant que les gens n'avaient jamais fait de programme de pleine conscience auparavant ou lu des livres à ce sujet. Donc, on s'assurait qu'ils soient un peu naïfs par rapport à l'approche. Ce qu'on s'est rendu compte par après, c'est qu'ils font beaucoup de liens avec d'autres interventions qui ont suivi, mettons, des groupes de thérapie cognitive comportementale. Il y en a qui ont déjà fait du counseling de couple. Il y en a qui ont déjà fait des cours à l'université en auditeur libre sur les relations interpersonnelles. Il y en a qui ont été gestionnaires, ils ont fait des cours en ressources humaines, ça abordait des concepts similaires. Donc, eux font vraiment des liens avec ça. Donc, si on espérait recruter monsieur, madame, tout le monde, puis finalement, bon, on a quand même essayé un peu de la recherche, on est déjà intéressés par l'approche. Personnellement, puis ça, c'est pas quelque chose qui est soutenu là, par des études ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus mon impression personnelle, mais je pense qu'il y a des gens que ça intéresse et qui ont cette propension-là à développer la pleine conscience. Donc, c'est eux qui vont s'inscrire, c'est eux qui vont avoir la curiosité de le faire. Donc, je pense que c'est eux qui ont comme tout en main pour l'accueillir. Ça nous arrive, on en a vu en recherche des gens qui venaient, puis finalement, ça ne les intéressait pas du tout. C'est qu'ils nous ont, j'ai un participant qui m'a dit, je trouve ça plate à mort, je ne veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Puis peut-être qu'il aurait pu en bénéficier, mais on ne forcera personne à pratiquer 30 minutes par jour. Donc, cette personne-là va probablement trouver son compte avec d'autres approches, d'autres interventions qui vont mieux correspondre à sa personnalité. Fait que je dirais, si quelqu'un a une curiosité, je pense que c'est tout ce que ça prend. Ensuite, il faut l'essayer, faire confiance au programme. Rendez-vous jusqu'à la fin des 8 semaines, puis vous verrez si vous poursuivez par la suite, si ça vous rejoint. Oui. Ouais, simplement en disant qu'en fait, Andréane a bien répondu, là, c'est, tout dépend de l'intérêt, etc., des personnes, mais à la base, tout le monde est capable d'être en état de pleine conscience. Okay? On est tous capables d'atteindre cet état-là, mais c'est pas tout le monde qui est intéressé à l'atteindre puis à le vivre régulièrement, cet état-là. Je pense qu'il faut se donner du temps pour prendre le temps. Puis ça, nous, on le voit effectivement à tous les jours dans notre accompagnement des personnes atteintes. On a tendance à dire, c'est des automatismes qu'on a, mais ce qui revient toujours, c'est « ouais, mais on n'a pas le temps de faire ça », de passer du temps avec la personne, de communiquer avec elle, d'avoir ce moment d'interaction, alors que justement, c'est quand on prend le temps qu'on retrouve du temps par la suite parce que la tâche qu'on devait faire finalement s'est bien déroulée. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense qu'aujourd'hui, on va être un petit peu sur un moment de plénitude et de plaisir dans notre journée. Alors, merci de nous avoir accompagnés. Merci aussi à tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, c'était, comme je vous le disais, c'était le dernier webinaire des conférences mémorables 2021. Mais on revient en 2022 et le prochain webinaire sera donné le 12 janvier prochain. Donc, tout va être mis en place là dans les prochains jours et ça va être présenté par Dr Serge Gauthier, qui est une sommité ici au Québec et à l'international. Dr Gauthier va nous parler notamment de l'importance du diagnostic précoce. Vous l'avez justement, vous aussi, Dr Hudon, mentionné. Et aussi des dernières avancées thérapeutiques au niveau de la maladie d'Alzheimer. On a pris l'habitude justement que le premier webinaire en janvier, ça vient finalement faire une mise à jour. Alors, on aura vraiment la chance, le plaisir et l'honneur d'accueillir Dr Gauthier. Alors, vraiment, là, c'est une conférence, je pense, à ne pas manquer. Puis surtout, c'est toujours très... il arrive à dédramatiser aussi la situation. Alors, au plaisir de vous y voir tous. Vous allez recevoir aussi... dans la prochaine heure, un courriel de suivi avec justement l'enregistrement du webinaire et également un formulaire d'évaluation. Alors, n'hésitez pas à y prendre part. Ça nous permet à nous de vous proposer des thématiques qui vous intéressent. Sur ce, je vous souhaite à tous d'agréables fêtes. Vraiment, là, je pense qu'on en a tous besoin. Profitez de ce moment encore une fois pour reconnecter avec vous-même et puis avec vos proches.
Et puis, ben, on se retrouve en 2022 avec une nouvelle programmation. Merci encore beaucoup, Dr. Hudon et Andréane, pour cette superbe conférence. Et au plaisir de vous voir donc l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.